observer la rue, de temps en temps, peut-être avec un souci un peu systématique, s'appliquer, prendre son temps, noter ce que l'on voit, ce qui se passe de notable. Sait-on voir ce qui est notable? Y a-t-il quelque chose qui nous frappe? Rien ne nous frappe, nous ne savons pas voir. S'obliger à voir plus platement, déceler un rythme, le passage des voitures, lire ce qui est écrit dans la rue, déchiffrer un morceau de ville, en déduire des évidences, la hantise de la propriété par exemple. Les gens dans les rues, d'où qu'ils viennent, où est-ce qu'ils vont, qui sont-ils? Il ne se passe rien en somme. Continuer jusqu'à ce que le lieu devienne improbable, jusqu'à ressentir pendant un très bref instant l'impression d'être dans une vieille ville étrangère, ou, mieux encore, jusqu'à ne plus comprendre ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas, que le lieu tout entier devienne étranger, que l'on ne sache même plus que ça s'appelle une ville, une rue, des immeubles, des trottoirs.